réussir en droit, c'est une question de méthode. Bien sûr, vous aurez beaucoup de matière et beaucoup de règles à apprendre, et cela vous demandera beaucoup d'efforts. Néanmoins, ne perdez pas de vue que sans la méthode, vous n'arriverez à rien. D'abord, vous devez parfaitement maîtriser les méthodes de raisonnement, notamment le raisonnement syllogistique. C'est une méthode qui permet de démontrer en trois temps ce que l'on affirme. D'abord, par l'exposé d'une majeure, vous présentez la règle abstraite. Ensuite, par une mineure, vous présentez les faits de l'espèce. Puis, dans une conclusion, vous appliquez la majeure à la mineure. Attention, vous verrez que cette méthode n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Puis il faut maîtriser la méthode des exercices qui tomberont à l'examen. Méthode du cas pratique, méthode du commentaire d'arrêt, méthode de la dissertation, méthode du commentaire de texte. Acquérir toutes ces méthodes demande de faire beaucoup d'efforts et beaucoup d'entraînement. Et puis c'est comme tout, à force d'entraînement et de répétition, alors cela peut devenir un jeu.